Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. En dépit de vos, tentatives de pourrissement, le front syndical reste solide et les organisations syndicales du pays restent mobilisées avec constance et détermination. Tandis qu'une nouvelle journée de mobilisation aura lieu jeudi. Les syndicats vous rappellent leur opposition résolue au passage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Comme la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dont je salue l'élection à la tête de la centrale, l'a rappelé, le retrait de cette réforme est la seule solution pour ouvrir le dialogue et apaiser le pays. Votre projet est condamné par une écrasante majorité de nos concitoyens, refusé par les partenaires sociaux et ne dispose d'aucune majorité politique, vous conduisant ainsi à l'usage du 49-3. Les présidents Vallaud et Kanner se rendent aujourd'hui, avec les autres groupes de la NUP, devant le Conseil constitutionnel afin d'exposer nos arguments juridiques suite au recours déposé par les députés et les sénateurs de gauche. Nous poursuivrons, nous députés, notre mobilisation ici et dans nos circonscriptions contre ce projet de réforme des retraites aussi injuste socialement qu'inefficace économiquement. La colère sociale monte et les préoccupations sur le pouvoir d'achat devraient inciter le gouvernement à s'attaquer aux problèmes quotidiens de nos concitoyens plutôt que de braquer toute la société contre une réforme inique. Il vous appartient d'entendre le message des Françaises et des Français. Vous ne pouvez les ignorer plus longtemps, Madame la Première ministre. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député David, les semaines se suivent et parfois se ressemblent. Vous nous interrogez sur la réforme des retraites et c'est l'occasion pour moi de répéter sa nécessité. Nécessité pour garantir le système de répartition, nécessité pour garantir la solidarité intergénérationnelle. Est-ce que cette réforme s'est faite à l'issue d'un débat? Oui. Débat avec les partenaires sociaux, ça n'a pas levé tous les désaccords, mais nous avons construit des convergences. Débat avec les forces politiques, débat ici même à l'Assemblée, débat au Sénat. Vous dites, monsieur le député, que vous maintiendrez votre mobilisation contre la réforme des retraites. La réalité, monsieur le député, c'est que votre mobilisation est totalement stérile et vaine. Vous avez joué la carte de l'obstruction. Vous n'avez pas bougé une virgule. Vous n'avez pas bougé une lettre. Et surtout, monsieur le député, vous n'avez jamais dit quel était votre projet alternatif. Est-ce que vous voulez baisser les pensions? Est-ce que vous voulez augmenter les impôts et les taxes? Est-ce que vous voulez laisser filer le déficit et faire porter sur nos enfants la responsabilité de votre incurie financière? Nous, nous prenons nos responsabilités. Nous les prenons et nous voulons le faire à nouveau dans le débat. C'est la raison pour laquelle, demain, la Première ministre recevra l'intersyndicale pour évoquer l'ensemble des sujets. Et monsieur le député, vous avez, à l'occasion de votre question, souligner que le week-end dernier était un week-end d'élection. Vous avez salué l'élection de la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Madame Binet. Je m'associe à vos salutations. Et j'en profite aussi pour saluer l'élection d'une nouvelle députée, Martine Froger, dans l'Ariège, à qui je souhaite bienvenue dans cette Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Les évolutions des dernières semaines sont particulièrement impressionnantes. Une équipe de chercheurs de Stanford a récemment annoncé être en mesure d'entraîner un modèle équivalent au célèbre ChatGPT-3 avec un budget de seulement $600. Plusieurs publications laissent penser que nous approchons d'une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire capable de comprendre toute tâche intellectuelle qu'un être humain peut accomplir. Ces développements soulignent l'importance de se doter d'une stratégie nationale, j'insiste là-dessus, pour assurer notre souveraineté et garantir que la France soit compétitive sur la scène internationale. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Existe-t-il une stratégie gouvernementale pour faire face à ces défis, notamment en matière d'investissement, de recherche et de formation? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre. Merci, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Excusez-moi, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison de dire qu'il y a dans l'intelligence artificielle de grandes promesses et de grands progrès.
Je pense en particulier au progrès de la recherche scientifique avec l'intelligence artificielle qui sauve d'ores et déjà des vies en permettant de détecter des cancers très précocement et donc de les soigner, ou encore de découvrir de manière beaucoup plus accélérée des traitements ou des vaccins comme ça a été le cas pendant la Covid-19. Mais pour que cette technologie reste au service de l'humain et au service des Français, il faut en avoir la maîtrise plutôt que de la subir. Il faut créer un cadre de confiance dans lequel ces innovations peuvent se développer. Pour en avoir la maîtrise, le président de la République a lancé en 2018 une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, éclairée par le rapport de Cédric Villani, dotée de 1,5 milliard d'euros, qui a permis notamment la création de 4 instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle à Nice, à Toulouse, à Grenoble et à Paris, qui produisent aujourd'hui des résultats. Nous avons 500 doctorants de plus qu'auparavant, 190 chaires consacrées à l'intelligence artificielle. Nous avons doublé le nombre de diplômés en intelligence artificielle et nous avons à peu près 600 entreprises innovantes spécialistes de l'intelligence artificielle. Cette stratégie a été renouvelée en 2021 dans le cadre de France 2030 et nous veillons avec Bruno Le Maire et Sylvie Retailleau à ce qu'elle tienne compte des dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle. Vous le voyez, monsieur le député, sous l'autorité de la Première ministre, le gouvernement est pleinement mobilisé pour que, en matière d'intelligence artificielle, la France reste souveraine. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Solignac. Merci, monsieur le ministre. Vous venez de répondre à cet instant au 578e député, puisque la question que je viens de vous poser a été entièrement rédigée par ChatGPT. Vous noterez que le robot qui vient de vous interroger n'a pas soulevé les questions de sécurité, de liberté, de démocratie ou de menace pour notre civilisation. Or, les vrais sujets sont précisément ceux que le robot contourne. Ne contournez pas les réponses, monsieur le ministre. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre vous et le robot, parce qu'il y a urgence. La recherche est aux mains de groupes privés qui n'ont aucun intérêt à ralentir leur course folle et la pause réclamée par certains leaders de la tech est absolument illusoire. L'Union européenne a initié un processus législatif trop long, trop lent. La France doit exhorter les grandes démocraties à ouvrir le débat sur les transformations économiques et sociales qu'on peut redouter et à construire très vite une autorité de régulation. La France doit dire qu'elle ne placera jamais son destin technologique au-dessus de considérations vitales et universelles et que la société n'a d'avenir que dans l'humanisme, la liberté et la protection de sa vulnérabilité. Merci beaucoup, mon cher collègue. Monsieur le ministre. Monsieur le député, qu'il ne faut pas perdre l'espoir dans l'intelligence humaine, puisque j'avais un peu anticipé la suite de votre question. Nous créons en européen un cadre de confiance. L'Europe sera bientôt la première démocratie du monde à installer un cadre pour l'intelligence artificielle qui dira les usages pour lesquels l'intelligence artificielle est interdite, les usages critiques pour lesquels elle sera conditionnée à des déclarations de transparence et d'audit et les usages pour lesquels elle sera autorisée. Beaucoup. Et la France a veillé à ce que l'innovation puisse se développer, mais dans un cadre de confiance. Monsieur le ministre, injuste, injustifiable, imposé, votre réforme des retraites doit être retirée. Demain, pour la 11e journée de mobilisation, des centaines de milliers de Français défileront partout dans le pays pour exprimer une fois encore leur colère et leur opposition à cette réforme. Après 2 mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population et un parcours parlementaire s'étant achevé par un 49-3, l'absence de réponse de l'exécutif a conduit à une situation de tension extrême dans le pays. Alors qu'il aurait fallu jouer la carte du dialogue social et de l'apaisement, vous avez opté pour le mépris, laissant sans réponse pendant 1 mois la demande de l'intersyndicale au président de la République d'être reçu en urgence. Ce silence, comme tout ce que vous avez fait pendant des semaines pour empêcher un vrai débat parlementaire, en dit long sur votre conception de la démocratie sociale. Alors que les Français sont toujours plus nombreux à comprendre que vous avez essayé de les berner, Madame la Première ministre a daigné enfin ce matin recevoir l'intersyndicale. Ce fut de toute évidence un échec. Alors Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que le pays s'enfonce dans une grave crise démocratique ? Quand allez-vous entendre la colère qui s'exprime ? Quand allez-vous retirer cette réforme ? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi, monsieur Dussopt. Merci, monsieur le président, madame la sénatrice Ferré. Je ne reviendrai pas sur la rencontre de ce matin. J'ai dit en réponse à madame la sénatrice Lindemann combien elle était importante à nos yeux, combien nous sommes heureux qu'elle ait pu se tenir dans un état d'esprit respectueux et combien nous sommes prêts avec madame la première ministre à ce que sur tous les sujets évoqués au-delà de la réforme des retraites, nous puissions avoir un dialogue social le plus productif possible.
Vous dites, madame la sénatrice, qu'il faudrait retirer la réforme. Retirer la réforme, madame la sénatrice, ça signifie laisser les déficits s'accumuler. Il n'y a que vous qui imaginez, peut-être une seconde, que lorsqu'on met une réforme en pause, les déficits sont en pause. Il n'y a que vous qui imaginez que si nous ne faisons pas cette réforme aujourd'hui, les marches seraient plus faciles à gravir dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Ne pas commencer, ne pas faire cette réforme, madame la sénatrice, ça signifie, si vous vous en tenez au seul rapport du Conseil d'orientation des retraites, ça signifie un déficit qui s'accumule et ça signifie des pensions de retraite qui décrochent par rapport au niveau de vie moyen des Français. Nous ne souhaitons pas l'appauvrissement des retraités et nous ne souhaitons pas que le système puisse être englouti et assommé par les déficits. C'est la raison pour laquelle nous agissons. Nous agissons et nous le faisons d'autant plus que chacune des alternatives qui nous a été proposée, chacune des contre-propositions qui a été formulée, y compris celle que vous avez portée, se serait traduite par une perte de pouvoir d'achat pour les actifs, par une augmentation des cotisations, par une dégradation de la compétitivité et par une perte d'emploi, ou alors par le creusement d'un déficit qui aurait porté sur les générations ultérieures. J'ai souvenir, madame les sénatrices et mesdames et messieurs les sénateurs du groupe socialiste, j'ai souvenir d'un esprit de responsabilité en 2013. Lorsqu'a été voté l'allongement de la durée de cotisation, allongement que vous osez nous reprocher aujourd'hui, je l'ai voté et vous aussi. Je l'ai voté en responsabilité et vous aussi. Cet esprit de responsabilité vous a désormais échappé. Madame Ferré. Arrêtez, monsieur le ministre, arrêtez de vouloir noyer le poisson. Arrêtez avec les contre-vérités, ça suffit. Les Français en ont assez. Vous avez fait le choix d'accentuer la crise démocratique et sociale. Et nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous. La sagesse, elle aurait été d'écouter les Français. On ne peut pas mettre les gens autour de la table et dire d'emblée que l'on continue à faire comme si de rien n'était. Le dialogue social, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que encourager les fractures, les tensions dans un pays au bord de l'implosion ne peut que mener au pire. Plus que jamais, il importe d'entendre et même de consulter les Français. Nous avons proposé d'organiser un référendum d'initiative populaire. Alors donner la parole au peuple serait véritablement une voie d'apaisement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le S-métolachlore, herbicide agricole utilisé pour de nombreuses cultures de printemps, notamment le maïs, a un impact avéré sur la qualité de l'eau et notre environnement. Ces produits de dégradation s'accumulent dans les nappes phréatiques pendant des dizaines d'années. Depuis le 1er janvier 2021, les métabolites du S-métolachlore font partie des molécules recherchées dans l'eau mise en distribution et de nombreuses collectivités ont été confrontées à des dépassements réguliers de la norme et 1,6 million de nos concitoyens sont concernés. L'un des principaux fabricants de ce produit a d'ailleurs indiqué que ces produits ne devaient pas être utilisés dans les parcelles situées dans les aires d'alimentation de captage d'eau. En juin dernier, l'Agence européenne des produits chimiques a classé cet herbicide comme substance cancérigène et perturbateur endocrinien suspecté. Saisi en 2021 par les trois directions générales de l'alimentation, de la prévention des risques et de la santé, l'ANSES a rendu plusieurs études inquiétantes et le 15 février dernier, l'ANSES a logiquement annoncé engager une procédure de retrait concernant cet herbicide. Or, à la veille de la présentation du plan eau par le président de la République, le ministre de l'Agriculture a annoncé devant le congrès de la FNSEA avoir demandé à l'ANSES de revenir sur sa volonté d'interdire les principaux usages du S-métolachlore. Monsieur le ministre, au titre de la souveraineté alimentaire que nous appelons tous de nos voeux, mais qui a parfois bon dos quand il est question de l'usage des pesticides, comptez-vous réellement jouer avec la santé de nos concitoyens en revenant sur la décision de l'ANSES de retirer le S-métolachlore? Est-ce compatible avec le plan eau visant à protéger la ressource en eau? Pour vous répondre, la parole est au ministre porte-parole du gouvernement, M. Olivier Véran. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Florence Blatrix-Compta, j'excuse le ministre de l'Agriculture qui est actuellement avec le président de la République en déplacement en Chine et je vais donc tâcher de répondre à sa place à votre question. D'abord, vous dire que nous partageons, Madame la sénatrice, l'envie de nous débarrasser des pesticides qui ont un impact sur la santé des gens. Vous l'avez dit vous-même, il est suspecté, il n'est pas avéré, mais il est suspecté, donc le principe de précaution doit l'emporter, comme c'est le cas avec toutes les substances qui peuvent avoir un impact sur la santé. Et c'est d'ailleurs le sens de l'histoire et c'est le sens du travail que conduit la France et que conduit l'Europe. Ce que je crois comprendre en matière, s'agissant de ce pesticide, de cette substance en particulier,
c'est que vous l'avez cité, l'enjeu de souveraineté alimentaire, mais il y a aussi l'enjeu qui consiste à être capable d'avancer en européen sur ces questions. Que la France n'est pas unie, et que si la France était le seul pays de l'Union européenne à interdire une substance, on se retrouverait dans la situation abracadabrantesque où la France importerait d'autres pays européens des produits alimentaires parce qu'elle serait plus capable de produire elle-même ses aliments, parce qu'elle n'aurait plus les substances pour pouvoir la cultiver dans de bonnes conditions, et donc importerait à grands frais les mêmes produits qui, eux, auraient été soumis aux mêmes substances chez les pays voisins. Donc on veut y arriver. L'Europe, je crois, donne un délai, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être de 2 ou 3 ans pour pouvoir y parvenir, et c'est bien la volonté française, de manière générale, que de se passer de toutes les substances qui peuvent avoir un impact, je le redis, sur la santé. C'est un objectif partagé. Madame Blatry-Contat. Monsieur le ministre, rien ne sert de reporter. C'est une question de santé publique et il est urgent de travailler aux alternatives pour les agriculteurs et donc à leur résilience. Et je crois que nous avons finalement une occasion de prendre de l'avance sur nos partenaires européens. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre des Solidarités. Monsieur le ministre, je ne vous parlerai pas de fin de vie ni de fin de carrière professionnelle, même si ce sujet préoccupe les Françaises et les Français. Je parlerai de la fin du mois des plus précaires d'entre eux. RSA, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse. Les minima sociaux ont été revalorisés de 1,6% le 1er avril dernier, après une hausse de 4% l'année dernière en juillet. En comparaison à la hausse du coût de la vie, c'est loin d'être suffisant. Les plus modestes subissent une inflation de plus de 7% en un an et le budget alimentaire s'est même supérieur à plus de 14%. Les dépenses du budget d'un ménage d'une femme seule avec 2 enfants augmentent de 170 euros par mois et ses prestations et allocations, elles, augmentent de 17 euros par mois, 10 fois moins. La sonnette d'alarme a été tirée par le collectif Alerte, qui, comme vous le savez, fédère 34 organisations de lutte contre les exclusions. Elle souhaite l'indexation des minima sociaux sur les budgets de référence des ménages modestes, comme le calcul est fait pour le SMIC. Elle exige dans l'immédiat une hausse de 5% des minima sociaux. Monsieur le ministre, que leur répondez-vous ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de l'Autonomie. Des personnes handicapées, Monsieur Combes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier. Je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de rappeler que depuis 18 mois, le gouvernement agit sans relâche pour lutter contre l'inflation et en particulier contre l'inflation à la racine, avec le bouclier tarifaire sur l'énergie, avec l'ensemble des mesures qui ont été prises pour maîtriser l'inflation vis-à-vis des Français. Les prix ont accéléré au cours de l'été 2022 et vous l'avez dit, nous avons pris la décision de revaloriser de façon anticipée les minima sociaux de 4% parce que les plus modestes ont été les plus exposés à l'augmentation des prix à la rentrée scolaire 2022. Nous avons distribué une aide exceptionnelle de solidarité de 160 euros en moyenne par ménage à la rentrée et nous avons continué. Les prix pétroliers ont été les plus dynamique a augmenté en cette fin d'année. Nous avons mis en place un chèque énergie de 100 à 200 euros par ménage. Et vous l'avez dit, à partir d'avril, depuis le 1er avril, les prestations sociales ont été revalorisées de plus de 5,6% sur 12 mois. C'est le niveau d'inflation calculé strictement par l'INSEE au cours de ces 12 derniers mois. Et donc jusqu'à présent, notre réponse face à l'inflation a été à la hauteur et a permis de protéger les Français face à la hausse des prix, et en particulier les plus modestes. En 2023, on a un défi majeur, c'est celle de la poursuite de cette inflation, en particulier sur les prix de l'alimentation. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités et lancé le trimestre anti-inflation pour permettre un accès aux produits de première nécessité dans les supermarchés. C'est pour ça également que nous avons mis en place le programme Mieux manger pour tous, pour permettre un accès aux ménages les plus modestes, à des produits de qualité, puisqu'on sait que ce sont les produits qui sont arbitrés en premier par ces ménages les plus modestes. Je pense aux fruits et légumes, à la viande, aux poissons, bref, à tous les produits de qualité dont les Français ont besoin. J'ai réuni il y a quelques jours l'ensemble des associations de solidarité pour faire le point avec eux. Et nous nous reverrons dans 2 mois pour faire un point sur la situation et prendre les mesures nécessaires si la situation perdure. Madame Meunier.
Monsieur le ministre, nous sommes loin du compte. Et pour répondre à cette crise, il faut des politiques publiques de redistribution et de sortie de la précarité. C'est incompatible avec la politique fiscale de votre gouvernement qui concentre les baisses d'impôts sur les entreprises et les plus aisés des Français. On savait cette politique dangereuse pour le climat et on la sait maintenant aussi alarmante pour le climat social.